frappement. Plus d'une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, c'est le bilan de fortes inondations qui ont touché l'Égypte ces derniers jours. Les provinces du Sinaï, de la mer Rouge et de Souaag ont été les plus touchées par ces intempéries. Cet habitant de Ras Gharib, ville de la province de la mer Rouge, raconte. La foudre a frappé l'eau à proximité de l'endroit où nous étions. J'ai dit à mes enfants que nous avions besoin de nous cacher. Mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais vu la foudre blesser des gens avant. Mais je leur ai dit que c'est arrivé une fois avant leur naissance, il y a longtemps. Samedi, le gouvernement égyptien a annoncé la mise à disposition d'environ 5,5 millions de dollars pour venir en aide aux victimes dans les zones les plus touchées.